Présentation du projet Shifumi. Bonjour, je m'appelle Noël Hubert. J'ai fait avec Anas un projet de Shifumi. Donc du coup, en premier temps, ça demande avec un affichage qui a un hashtag. Bon, ça, c'est paramétrable. Quel Shifumi on veut. Donc il y a pierre, papier et ciseaux. A correspond à pierre. B correspond à papier et A plus B correspond à ciseaux. Voilà, ça demande. Après, ça l'envoie à l'hôte qui le stocke dans une variable qui est la variable reçue. Pour pas qu'il y ait de problème de délai, on attend que l'hôte ait choisi. Donc on affiche ça et on met tant que variable reçue n'est pas égale, bah, est égale à 0, on reste ici. Sinon, après, il y a un compteur de 3 secondes. On voit, donc là il y a toutes les conditions possibles du Shifumi. Si on a eu bon, on nous met un tic. Un truc comme check. Quoi c'est bon. On envoie 5 à la radio, donc ça c'est pour envoyer une autre carte microbit afin de calculer notre score. Donc on le fait pas quand on a perdu, parce que on n'ajoute pas notre score. Et tout ça pendant 2 secondes, et après ça se réinitialise. Donc du coup après tout revient à 0, et on a l'affichage du hashtag. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration? Bien sûr, donc Anna c'est de l'autre côté. Je vais choisir A par exemple. Et moi je vais choisir B. Donc 3, 2, 1. Donc j'ai bien gagné, et lui a perdu. Et donc, sur l'affichage qui est tout là-bas pour les scores. Donc, ici, on a décidé, déjà, premièrement, donc quand cette carte reçoit, par exemple, le numéro 4, c'est le joueur 1 auquel on ajoute 1, comme quoi il a gagné. Et si c'est 5, c'est le joueur 2. Quand le joueur A, quand le bouton A est pressé, on montre le score du joueur 1 pendant 3 secondes, et sinon on affiche un point d'interrogation. Et quand c'est le bouton B, c'est le score du joueur B, et pour remettre à 0, c'est A plus B. Et sinon, la carte affiche en continu un point d'interrogation. Alors faites voir le score pour le moment. Donc là, le joueur A, le joueur 1 a 0, et le joueur B a 1. Et donc si on appuie sur les deux, le joueur A a 0 et le joueur B a 0, on a tout réinitialisé pour le score. Merci.